Bonjour à tous, c'est le blaireau furtif. Donc après avoir réactivé le tram pour nos deux petits compagnons qui étaient ici pour qu'ils puissent aller de la passerelle, je dois maintenant les préparer là où mon vaisseau s'est crashé dans le hangar, je dois le préparer pour éventuellement préparer un départ. Donc désolé si je me suis un peu embrouillé sur ce que j'ai dit, parce que dans la partie 2 j'ai eu un petit moment de frayeur. C'était la première fois que je le voyais ce truc. Bon, je vous invite à regarder la partie 2, c'est sur la fin. Donc là, c'est la partie finale. Donc désolé si les parties de vidéo sont courtes, hein, mais c'est le premier chapitre. J'espère que je vais des vidéos plus longtemps. Et donc on va voir comment ça va se passer par la suite. Bon, ce chapitre est gentil, comme je l'avais dit. Donc là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de courant. Alors les créateurs de Dead Space, ils sont pas cachés qu'ils se sont inspirés de Dead Space pour le jeu. Et il y aurait une rumeur comme quoi ils se sont inspirés de The Thing aussi. Ceux qui ont vu The Thing vont constater, moi je l'ai pas vu, on m'a dit qu'il était bien suivant en plus. Un bon petit film d'horreur. Bon, Alien c'est sûr, il y a des certains points, c'est pas... Ils sont pas inspirés pour les bestioles, hein, mais disons que niveau architecture c'est bien. Et au niveau de l'histoire, c'est du déjà vu. Hein. Là ici c'est la première fois que j'ai fait une série de bons, sans compter la partie où je vous ai parlé, là. La partie 2. Je vais un peu durer la vidéo, là, je serai déjà passé dans le côté avec la porte. Meurs donc! Et monsieur faisait le comédien. Monsieur, faut pas être épileptique quand on joue au jeu. Cette partie finale va être très courte, désolé. Isaac, on est à la passerelle. C'est un vrai cauchemar. Ils sont tous morts. On va chercher l'ordinateur principal. A plus tard. Donc là, tous nos camarades sont morts. Enfin, sauf Kendra et Amon. Mais les cadavres, ben, ils sont pas là. Bordel de merde. De toute façon, vous allez savoir ce qu'ils font des cadavres des nécromorphins. Si vous réfléchissez un petit peu, vous savez déjà ce qui va se passer, quoi. Bon, déjà, l'avantage, c'est que je suis pas en manque de munitions. Ce qui est drôle dans le 2, quand Isaac tape dans le sol, quand plusieurs fois il commence à péter un câble, il insulte le nécromorphe, quoi. Parce qu'il parle dans le 2, je l'avais dit, mais... qui est un peu en mauvais état, non? Là, ceci là que vous voyez là, c'est un secret du jeu. Je ne vais pas le comprendre vraiment, mais je vous le dis. Forme de vie hostile détectée. Dommage. Le mec le plus pressé. Je suis pas pressé. Claire, collision détectée dans le hangar principal.
Envoie une équipe d'urgence sur place. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et le vaisseau? Comment partir? C'était notre seul billet retour. Kendra! Non, Hammond! Là, ça change vraiment tout! Mais taisez-vous! Vous pouvez accéder aux commandes. Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathieus, situation? En soins, statut? Décédé. Quoi? Merde! En même temps... Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel! Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ses codes le plus vite possible. C'était quoi? Bon, ben voilà, mon vaisseau, il est dans un sale état. Un petit truc qui est assez ironique, c'est avec la voix là qui parle, la voix du vaisseau. Elle vient de dire en voix de l'équipe qui relance sur place, elle est là l'équipe qui relance. Elle est tout aussi marrant avec la compagnie. Par exemple, il y a un moment, vous verrez, elle va claquer un truc du genre, le dîner serait servi dans 10 minutes dans le réfectoire. Ben, ça sera dans d'autres chapitres plus haut. On se dit tout de suite, le dîner c'est moi. Non, franchement, c'est une petite parenthèse assez rigolote. Ouais, j'ai dit gommé. Et franchement, cette voix, franchement, la voix de ce truc-là, la voix du vaisseau, pour moi, je la trouve un peu stressante. Elle est... Voilà, et en même temps, c'est pour une voix humaine, donc on peut dire que c'est... On peut dire que c'est... rassurant, quand même. Donc là, on va aux chiottes, on va pisser un coup. Je sais pas si vous avez entendu le son avec le blabla. C'est pour ça que c'est pour ça que je me balade un peu dans les chiottes, on les entend bien. Ah shit. Je sais pas si j'ai entendu, mais c'est vachement flippant. Pour le coup que j'ai entendu ça, fait... What the fuck? Oula, mangez-moi. Cher machin, nous sommes ici. Mangez-moi. What the fuck? J'entends beaucoup de bruit. Shut the fuck you, Jacob. Shit the fuck. Ouais, tout du genre. Je suis désolé, mon anglais est assez mauvais. Mais en gros, je pense que je me gourre pas, c'était. Ouais, bah donc voilà, j'entends. Je me suis coupé parce que j'entends les dialogues. Shit the fuck up, mon truc du genre, enculé ou. Bon, les gros mots, j'ai pas de mal, hein, tout de suite, hein, je vous le dis. Donc voilà, la partie finale est terminée. On va prendre l'ascenseur. Et on se retrouvera pour l'infirmerie. Ah, l'infirmerie, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Non, franchement... Je suis désolé si je fais une vidéo... Si ça spoil un peu, ça va être le cheminement si vous avez jamais joué au jeu, mais... Ouais, bah, je vais le faire. Donc, désolé si ça spoil un peu, mais franchement, si vous avez pas joué à ce jeu là et puis que vous voulez le découvrir par vous-même, parce que, franchement, achetez-le. En plus, il doit plus être très cher. Ce jeu là, il doit avoir au moins 3-4 ans, je pense. Et si je me trompe pas, il y a une anecdote. Pour une petite anecdote, il est sorti le jour d'Halloween.
Je me souviens quand j'avais vu la pub du jeu à la télé. Quand j'ai vu le nécromorphe, j'ai fait what the fuck. Et après, bah, quand j'ai vu la série d'images assez violente, bah, je fais ah ouais quand même. Je pourrais ranger ça. La stase limite, je peux la vendre. Allez, là, je peux prendre une tenue, mais j'ai dit non, même les armes. Encore cette arme-là, elle est pas puissante, mais bon. Acheter ça. Je vais passer notre arme maintenant. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce chapitre 1 de Dead Space, partie finale. A bientôt pour le chapitre 2 qui est l'infirmerie. Salut à tous et à très bientôt. Bouh.